petit haut de Naples. Voilà, je suis à Naples. Après Ibiza, après Split, où j'ai rien acheté. Parce que j'ai pas été faire le mall de Split pour des raisons personnelles. J'avais pas envie en fait. Et du coup, si on en a profité, donc déjà premier jour, on n'a pas arrêté. Donc j'ai craqué pour ce petit sac tout en cuir. Voilà, je suis rentrée dans un petit magasin qui s'appelait Vanity, qui payait pas de mine, mais franchement, elle avait des super trucs. Et donc, le sac est tout en cuir. Il est 100% cuir avec sa chaînette à l'intérieur. Franchement, il est juste top, top, top. Il a une grande chaînette pour les soirées. Et il est vraiment sympa. Ensuite, ma fille a opté pour ce grand sac qui se porte main, une boucle, avec plusieurs chaînettes aussi. Pareil, tout en cuir. Voilà, je vais m'entendre. Il est comme ça, comme ceci. Et elle peut le porter deux mains, plusieurs façons de porter, plusieurs façons de le fermer. Franchement, c'est juste top, top, top. Donc voilà, donc ça c'est pour chez Vanity. Ensuite, on passe à Victoria's Secret. Chez Victoria's Secret, on a pris. Donc déjà, avant de partir, elle nous a parfumé ça. Je n'ai pas parfumé. Mais franchement, c'est tout à son honneur, c'est super sympa. Donc là, on a pris des culottes, je crois, pour 35 euros. Donc on a pris des culottes comme ça, 100% coton. Parce que sinon, il y a de l'allergie. Avec la pose dentelle, les filles, elles aiment pas. Donc voilà. Sachant qu'une culotte, c'est 15 balles, je crois. Donc ouais, ça vaut le coup de les acheter en eau, en fait. C'est sûr qu'il ne faut pas les acheter en coton. Ensuite, la fille a pris. C'est moi qui l'ai pris pour le prendre, parce qu'elle ne voulait pas le prendre. Il y avait le sac à dos à colle. Et donc, je lui ai dit de prendre ce sac à dos pour l'école, parce qu'il était trop pratique. Et au lieu de 70 euros, il est passé à une quarantaine d'euros, donc parfait. En plus, il est gris noir, il n'est pas tout à fait gris, il n'est pas tout à fait noir, donc c'était l'idéal. En plus, sur les côtés, là, vous avez les petites poches pour mettre les petites bouteilles, voilà, des enrichissements, des choses comme ça. Ça, c'est très petit. Ensuite, pour finir, on a pris ce grand sac aussi qui était soldé. Voilà, derrière, il est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, je vais quand même vous sortir. Il est comme ça, tout simplement. Voilà, donc au lieu de 70 euros, il est passé à 35 euros. Donc nickel, franchement, une affaire. Donc pareil, j'ai forcé pour le prendre parce que je me suis dit, mais c'est une grosse affaire. Et voilà, et la suite dans quelques minutes. Donc le meilleur pour la fin, j'ai trouvé un petit magasin Calvin Klein et il y avait des petites choses soldées. Ce qui est très rare chez Calvin Klein en fait. Ah ben, j'ai oublié mon petit sac tricot. On a acheté aussi du tricot. Je vous passe à la fin. Donc chez Calvin Klein, j'ai pris deux sweats comme ceci, qui sont très originaux. Voilà, c'est pour les filles en fait, c'est comme des crop tops, mais genre en, comme pour la pluie, ou genre juste comme ça, un sweat en fait. Un sweat style crop top, donc voilà. Le prix c'était vraiment pas cher. Donc de 61 euros, il est passé à 42 euros, puis ensuite il a eu, enfin bref, en gros j'ai payé 30 balles. Et j'en ai donc pris deux, donc pour les deux petites, voilà, et, tout noir, classique, avec Calvin Klein écrit dessus, franchement, c'est top. En France, j'aurais jamais eu des prix comme ça chez Calvin Klein sur des choses comme ça, en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai pris trois culottes chez Calvin Klein, comme ceci, à 16 euros. Donc voilà, encore des petites culottes. Donc en fait, il y avait une promo, je crois, les trois. Les trois, c'était 30 euros, je crois, ou 35 euros, un truc comme ça. Donc au lieu de 45, ouais, c'était, je pense, 35 euros. La meilleure pour moi, c'est celle-là. Voilà. Et c'est tous des culottes classiques coton. Voilà. Ensuite, chez Tico, je vais vous montrer quand même ce que j'ai pris chez Tico. Je vais essayer de me mettre un peu de lumière. Donc chez Kiko, il y a des glosses, donc celui-ci, donc il est en teinte 18, donc c'est un marron mais genre pailleté. Franchement, il ne se voit pas trop sur les lèvres, on voit plus le brillant qu'autre chose, mais très léger, très très joli. De toute façon, les glosses de chez Kiko sont très très bien, et là ils sont tous soldés, ils sont tous à 5,90€ au lieu de, je ne sais plus, ils étaient à 8 balles, un truc comme ça, il n'y a pas très longtemps.
Donc c'est vrai que ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris un ou deuxième gloss. Par contre, les nanas, elles ont essayé de me vendre, mais là, les trucs. Ah ouais, vous n'avez pas acheté tout le magasin. Là, elle m'a fait essayer du mascara, alors que du mascara, j'en veux pas. Et j'en ai plein. J'ai du Benefit chez moi. J'ai plein de trucs que je mets même pas, même du L'Oréal. Enfin, voilà. Donc là, on a pareil, un espèce de rose, rose nacré, pailleté. Donc pareil. Il y en avait certains qui étaient sans paillettes, qu'on voulait, mais on ne trouvait pas. En fait, il n'y avait pas. Vraiment, clairement, il n'y avait pas. Il n'y avait pas tout. Alors ensuite, j'ai acheté donc un mat comme ceci. Donc, celui-ci, c'est le numéro, voilà, vous l'avez là, le 08. Je vais essayer de vous le montrer. Il est très joli. Ça, c'est la nana qui me l'a fait acheter d'ailleurs. C'est la vendeuse, elle me l'a montré. Bon, après, j'ai aimé, hein, laver sur les lèvres. C'était pas la même couleur, mais j'ai vraiment aimé ce mat-là. Et puis, bon, j'en ai besoin au travail. C'est vraiment des mats que je mets tous les jours. Voilà. En plus, ils ont deux côtés. Voilà. Un côté un peu plus foncé, je sais pas si vous voyez. Et un côté qui l'est un peu moins. Donc, ouais, très intéressant en fait. Ensuite, il y en a un autre ici. Donc ceux-là, pareil, il y avait plein de couleurs que je cherchais. Donc là, j'ai la teinte 120. Mais je n'ai pas trouvé les couleurs que je cherchais dans ceux-là. Et du coup, en fait, il y avait deux couleurs que je voulais. Je n'ai pas du tout trouvé. Du coup, je me suis abattue sur cette couleur. La seule qui me plaisait dans tout l'eau qui est restée. Mais franchement, toutes les couleurs que vous voulez, c'est un peu comme chez Sephora, les masques de chez Sephora. En général, toutes les couleurs que vous voulez, bah, il n'y en a jamais. Tout le monde les veut, en fait. Voilà, je me suis abattue sur cette couleur-là. Donc, vous avez le gloss d'un côté et le mat de l'autre. J'aime beaucoup, ça me fait penser à Guerlain, en fait. Le style, le packaging. Très, très joli. Vraiment, Kiko, quand c'est soldé, Kiko, ça vaut vraiment le coup. Parce que c'est quand même de sacrés bons produits, en fait. Voilà, voilà pour mes petits achats. Donc, achats en direct de Naples. Franchement, Naples... Ouais, je dis allez-y pour le shopping. Allez, bisous les filles et merci. Merci de rester toujours fidèles. Je sais que je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais j'en ferai un peu plus. Voilà, j'avais eu des soucis, j'avais des choses à faire, j'avais des choses sur lesquelles il fallait que je me concentre. C'est comme ça, c'est la vie. Je pense que à tout à chacun, on a notre vie, dans notre vie, des moments où on n'a juste pas le temps, pas envie. Voilà, c'est pas le moment, tout simplement. Donc voilà, mais je reviens en force. Bisous, à bientôt, ciao. Mamma, buonasera. Figli tuoi? Ecco qua. Sì, mamma? Yeah. Mamma? Mamma? Yeah. Yeah. Mamma, un braccialettino a piacere, una monetina? Io ho figli come te. Gita, gita la carta. Una monetina? No, è tutta monetina. Ogni carta. Cambiare? Yeah. Cambiare? No, thank you. Niente? Un braccialettino? No, thank you. Ti voglio bene. Thank you. Non, il m'a fait peur qu'elle est venue de là, j'ai dit, tu sais, elle me pêche comme ça en arrière. C'est les partir en arrière. Moi aussi, je me choisis cette année. Toujours mon yacht. Et ici, la croisière s'amuse.